Bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale où je vais partager avec vous les 3 choses que j'aurais aimé connaître quand j'étais plus jeune. Que vous soyez encore jeune et cherchiez à vous préparer pour l'avenir, ou que vous soyez un adulte en quête de réflexion, vous êtes au bon endroit. Les 3 leçons que je vais partager avec vous aujourd'hui sont des pépites de sagesse qui vous serviront tout au long de votre vie. Ces 3 choses sont plus qu'une simple connaissance, elles sont une véritable clé pour vivre une vie épanouissante et réussie. Alors sans plus tarder, on commence. Numéro 1. Ne jamais dépendre financièrement d'une personne, sinon vous serez une personne malheureuse durant toute votre vie. Je sais que cela peut sembler difficile, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Si vous vous appuyez constamment sur quelqu'un d'autre pour subvenir à vos besoins, vous serez toujours à la merci de leurs décisions et de leur bon vouloir. Cela peut vous rendre malheureux et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Il est essentiel d'apprendre à être indépendant financièrement dès que possible. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, être financièrement autonome signifie que vous avez le contrôle de votre propre vie. Vous pouvez prendre vos propres décisions et vous n'êtes pas limité par les contraintes financières. Imaginez pouvoir choisir la carrière qui vous passionne vraiment, partir en voyage quand vous le souhaitez, investir dans vos rêves sans avoir à demander la permission à personne. Cela semble incroyable, n'est-ce pas ? Mais comment faire pour devenir financièrement indépendant ? Cela demande de la discipline, de la persévérance et de l'éducation financière. Investissez dans votre éducation et développez vos compétences pour gagner plus d'argent. Apprenez à gérer votre argent intelligemment en évitant les dettes inutiles et en faisant des investissements judicieux. Je sais que cela peut sembler difficile, mais rappelez-vous que chaque petit pas compte. Commencez dès maintenant, même si vous êtes jeune, car plus tôt vous prendrez le contrôle de votre situation financière, mieux ce sera pour votre avenir. Ne laissez pas les autres décider de votre destin financier. Prenez les rênes de votre vie. Soyez indépendant financièrement et vivez la vie que vous méritez. Numéro 2. Vivez et profitez pleinement du moment présent. Ne vous attardez pas trop dans le passé ou s'inquiétez trop pour l'avenir. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. La vie n'a pas de brouillon. Il faut profiter pleinement du moment présent. Trop souvent, nous nous perdons dans les souvenirs du passé ou nous inquiétons excessivement pour l'avenir. Mais savez-vous quoi ? La vérité est que la vie se déroule ici et maintenant. On ne vit qu'une seule fois, mes amis, et cette vie n'a pas de brouillon. Alors, pourquoi gaspiller du temps et de l'énergie à revivre sans cesse les moments passés ou à s'inquiéter de ce qui peut arriver demain ? Je vous le demande sincèrement. Le bonheur et l'épanouissement se trouvent dans le présent, dans l'instant présent. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important, vous êtes ici, en ce moment précis, et c'est le seul moment qui compte vraiment. Ne laissez pas le passé obscurcir votre présent, car vous ne pouvez pas le changer. Ne laissez pas les soucis futurs vous priver de la joie d'aujourd'hui, car l'avenir est incertain. Alors, comment pouvez-vous profiter pleinement du moment présent ? Tout commence par une simple prise de conscience. Prenez le temps de vous connecter avec le moment présent. Respirez profondément et remarquez les détails qui vous entourent. Appréciez les petites choses de la vie, le soleil qui brille, le chant des oiseaux, un sourire chaleureux. Soyez pleinement présent dans vos interactions avec les autres. Écoutez attentivement, soyez authentique dans vos relations et appréciez la compagnie des êtres chers. Concentrez-vous sur ce que vous faites en ce moment même, que ce soit travailler, étudier, pratiquer un passe-temps ou simplement vous détendre. Mes amis, je vous assure que lorsque vous vous engagez pleinement dans le moment présent, vous découvrez une richesse et une plénitude inexplicables. Vous vous sentez vivant, épanoui et reconnaissant pour chaque instant précieux que vous vivez. Alors, n'attendez plus. Saisissez l'occasion dès maintenant pour vivre pleinement et profiter de chaque instant. Oubliez les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir. Concentrez-vous sur ce qui est ici, maintenant, car c'est là que réside la vraie magie de la vie. Numéro 3. Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Arrêtez de vous comparer aux autres, tes amis veulent que tu ailles bien, mais pas mieux qu'eux. Les autres s'en moquent. Vous êtes unique, ne passez pas trop ton temps à vous comparer aux autres. Chacun fait sa vie à sa manière. Trop souvent, nous laissons l'opinion des autres nous dicter nos actions et nos choix. Mais savez-vous quoi ? Les autres s'en moquent vraiment. Vous êtes unique, mes amis. Vous avez vos propres talents, vos propres rêves et vos propres aspirations. Alors, pourquoi passer votre précieux temps à vous comparer aux autres ? Pourquoi vous soucier de ce que les autres pensent de vous ? La vérité est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, peu importe ce que vous faites. Et devinez quoi ? Ce n'est pas grave du tout. Vos amis véritables veulent votre bonheur, ils ne cherchent pas à vous surpasser. Et ceux qui vous jugent, ceux qui critiquent, laissez-les dire ce qu'ils veulent.
leur opinion n'a pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est d'être vous-même, d'embrasser votre unicité et de vivre votre vie avec passion et authenticité. Ne laissez pas les normes sociales ou les attentes des autres vous définir. Vous avez le pouvoir de choisir qui vous voulez être et comment vous voulez vivre. Alors, comment pouvez-vous arrêter de vous soucier de ce que pensent les autres sur vous ? Tout commence par un amour-propre solide. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Célébrez vos réalisations, peu importe à quel point elles sont petites. Apprenez à vous entourer de personnes positives et bienveillantes, celles qui vous soutiennent et vous encouragent à être vous-même. Et surtout, rappelez-vous que chaque personne a sa propre trajectoire de vie. Ne vous comparez pas aux autres, car chacun suit son propre chemin. Je vous exhorte à lâcher prise de ce fardeau du jugement des autres. Libérez-vous de l'obsession de vouloir plaire à tout le monde. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous accomplissez. Vous êtes unique, vous êtes spécial et personne ne peut vous enlever cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo où j'ai partagé avec vous les 3 choses que j'aurais aimé connaître quand j'étais jeune. J'espère sincèrement que ces précieux enseignements vous ont captivé et inspiré. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir, de vous affranchir des opinions des autres et de vivre votre vie authentiquement. Allez de l'avant avec confiance et poursuivez vos rêves avec détermination. À bientôt pour plus de conseils inspirants.